Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Lorraine. Aujourd'hui, je vais vous présenter des produits que j'ai commandés du site Diamond Painting with Sparklers. Alors, ça, c'est une femme qui habite aux États-Unis et elle a un site sur lequel elle offre des produits pour le Diamond Painting. Donc, elle n'offre pas de Diamond Painting en tant que tel, mais elle offre des diamants AB, donc des ronds, des carrés. Et elle offre aussi des strass pour incorporation dans les diamants dans les diamond painting avec des diamants ronds, donc c'est du SS10, et des strass aussi ronds en taille SS8 qu'on peut mettre dans les diamond painting qui ont des diamants carrés. Alors cette commande, c'était très rapide à recevoir. Donc à la base, moi en fait, j'ai fait cette commande parce que je veux incorporer des AB dans le grand diamond painting que je fais de Noël, de Diamond Art Club. Donc j'ai regardé les DMC qui se trouvent dans le paquet ou dans le Diamond Painting et j'ai agencé les DMC avec ce qu'elle offre sur son site. Alors, je l'ai commandé le 24 octobre, qui était un samedi, je pense. Elle a expédié le 25, donc c'était très rapide. Et je l'ai reçu le 5 novembre. Donc, tout a été très rapide. Je l'ai contactée sur Internet et elle m'a confirmé qu'elle peut envoyer ses produits en France. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez la contacter sur Facebook. Je vous mettrai le lien de sa boutique, de son site sous la vidéo. Mais je vous mettrai aussi son groupe Facebook parce qu'elle a un groupe Facebook. Mais en tout cas, longue introduction. Donc, je vais ouvrir. J'ai déjà coupé là. Et on va ouvrir et regarder ce qu'on a. Alors, je vais mettre ça là. Et comme vous voyez, c'était bien emballé. Hein, c'est dans une enveloppe. Une enveloppe à bulles. Et elle a mis ça dans un sac rose. Alors, je vais enlever. Alors, je pourrais pas vous dire les prix de chaque produit parce que c'est vrai que j'en ai commandé quelques-uns, mais vous allez les voir sur le site. Elle les met tous. Alors, tout est enlevé. Ça, je vais l'enlever parce que j'ai vu qu'il y avait mon adresse dessus. Ouais, c'est juste le... Ouais, il y a le prix total avec ce que j'ai commandé. Donc, je vais le garder à côté. Ah, elle a mis un petit... Elle a mis ça. Oh, il est vraiment beau. Un petit autocollant. Je vais le mettre sur ma tablette inclinée. J'adore recevoir des autocollants. Alors, on a plusieurs types. Je vais les mettre comme ça pour vous montrer. Alors, ça va être que des diamants carrés dans cette commande, je pense. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celui-là. Ça, c'est pour Nathalie. C'est pour Nathalie qui a gagné le concours des 100 abonnés. Donc, maintenant que j'ai tous ces produits, je vais pouvoir... lui envoyer. Donc, je vais pas l'ouvrir, celui-là. Parce que sinon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir chaque paquet et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Si jamais vous êtes intéressé d'acheter des AB aussi carrés. Alors, peut-être que je vais commencer avec ça parce que, comme j'ai dit, je vais pas l'ouvrir. Mais ça, c'est... Alors, ce qu'elle appelle, elle, des sparklers. Et elle marque four squares. C'est-à-dire que ce sont des diamants ronds, des strass ronds. Mais vous pouvez les incorporer dans des diamond paintings avec des strass carrés. Parce que c'est la même taille qu'un diamant carré, ou le même le diamètre. Le diamètre est de 2,5 mm. Donc Nathalie, si ça t'intéresse, je vais te l'envoyer, parce que c'est ça que j'inclus dans le paquet. Mais tu vas pouvoir les utiliser dans un diamond painting qui a des diamants carrés, là où tu veux. Et celui-là, c'est le Moonstone. Alors comme vous voyez, c'est un joli... Alors attendez, je vais essayer de l'agiter. Mais il est beau, il est vert avec des reflets bleus. Il est superbe. J'espère qu'il va te plaire, Nathalie. Alors, je vais le mettre là. Et on va regarder les carrés que j'ai commandés. Alors, j'ai un petit plateau juste là. Donc, on va regarder le 603 qu'elle appelle Jelly. Donc, si vous remarquez, il y a les numéros DMC dessus.
Donc, si vous voulez un numéro DMC en particulier, vous allez sur son site et vous allez trouver les DMC qui correspondent en AB. Alors, celui-là qu'on va regarder en premier, c'est, comme j'ai dit, le 603. Il est trop beau. Alors le voilà. Il est vraiment beau. Et je pense que j'ai du 603 dans mon Diamond Painting de Noël. Je pense que toutes les couleurs que j'ai prises sont des couleurs que j'ai dans le Diamond Painting de Noël. Bon, c'est sûr que je ne vais pas utiliser tout le paquet que j'ai reçu, mais je vais en utiliser quelques-uns. Donc ça encore, c'est le 603. Un beau rose. Et les sacs refermables, ils sont de super bonne qualité, ils sont bien épais. Comme ça, là. C'est de très bonne qualité. Et moi, je les laisse là-dedans. Ensuite, on a le 666. Carré encore. Comme j'ai dit, c'est que des carrés que j'ai commandés. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. Alors le voilà. Ah, il est superbe. Il est superbe. Alors pour ceux qui savent pas, c'est vrai que j'ai pas trop dit qu'est-ce que c'était un diamant AB, mais c'est une couche qu'ils mettent au-dessus du diamant, donc vraiment sur le dessus, pour le rendre plus brillant. Et là, vous voyez, il y a des teintes. Je crois qu'on voit un peu de violet même là. Violet, rose, orange. Donc ça le rend plus brillant. Je pense même que je peux le rapprocher comme ça. Ouais. Je l'adore. Et je sais qu'il y a pas mal de 666 dans le Diamond Painting de Noël. Donc, je vais m'amuser à les incorporer. Donc, encore une fois, si vous voulez me voir incorporer des AB dans mes Diamond Painting et des strass, si vous regardez les vlogs, vous allez voir comment je fais ça et où je décide de les mettre. Alors, ensuite, c'est vrai que je voulais beaucoup de blanc pour ce Diamond Painting de Noël. Donc, j'ai commandé deux sacs de 5. 5200, c'est du DMC blanc. Et je me suis dit, de toute manière, si j'en ai en plus, je vais l'utiliser dans un autre Diamond Painting. Je l'adore celui-là. Alors celui-là, il a un petit fini rose. Je pense qu'on le voit bien qu'il y a un fini rose. Même jaune, oh, jaune orangé. Et comme vous voyez, les diamants aussi, j'ai pas, même pas parlé de la qualité, mais si ça s'aligne bien comme ça, c'est que c'est de bonne qualité. Vous voyez qu'il s'aligne bien. Donc il n'y a rien sur les côtés qui. Il n'y a pas de morceaux qui dépassent parce qu'on le voit là. C'est tout bien aligné. Ouais, très bonne qualité. Je suis très contente. Ensuite, on va passer au vert, qui est le 701. J'en ai mis beaucoup. J'en ai beaucoup dans celui-là. Ah, il est beau. Et là, il y a un fini bleu, bleu orangé sur celui-là. Quand je le bouge, vous voyez encore, les diamants s'alignent très bien. Ils ont l'air de très bonne qualité eux aussi. Donc ça, c'est bien. Donc ça, c'était le 701. Hi, mince. J'en ai fait tomber sur la table. J'essaie de les récupérer. Ok. Ensuite, le 321. Qui est un rouge, mais c'est un rouge un peu plus foncé que le 666. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais c'est à peine un peu plus foncé.
Non, il y avait des frais d'expédition hein, sur cette commande, mais je pense que j'ai payé frais de port. Je ne sais pas si c'était 10 $. Mais c'est pour ça que j'en ai pris. Non, c'était 12 $. 12 $ américains. Mais c'est pour ça que j'en ai pris plusieurs. Parce que bon, si je paye pour des frais de port, je pense que pour 12 $, elle peut vous mettre jusqu'à 12 sachets pour le même prix. Et ensuite, ça tombe à un prix plus élevé parce que bon, le poids est plus. C'est plus lourd, hein. Oups. Mais pour 12 $, je pense qu'elle peut en mettre pas mal. C'est pour ça que j'en ai profité, que j'en ai commandé plusieurs. Lui, il est beau aussi. Il est infini aussi, un peu violacé, je trouve. Orange, rose. Il est superbe. Trop beau. Je l'aime beaucoup. Et aussi les diamants, regardez, ils s'alignent très bien. Avant que je les remette. Il y en a un qui a l'air un petit peu trop gros juste là. Mais sinon, ils ont l'air bien. Et le dernier, avant de vous laisser, ça va être le numéro 600. Alors le 600, si je le compare avec ça et ça, le 600, c'est plus rose. Donc c'est plus foncé que le. Je ne sais pas pourquoi elle appelle ça du jelly. C'est vrai que c'est un peu transparent. Donc je vais ouvrir le 600 et on va le regarder aussi. Oh là là, mon Dieu, il est beau. Ah, là, on voit bien. Là, on voit bien la couche AB quand je fais comme ça, là. C'est encore un peu orange. Orange, même un peu violet, je trouve. Et encore une fois, les diamants ont l'air de très bonne qualité. Ils s'alignent très bien. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça, pour ceux qui sont intéressés d'acheter des diamants en AB. C'est vrai que sur AliExpress, vous pouvez trouver des ronds. Mais elle en offre plus. Elle offre beaucoup plus de DMC et en plus grande quantité aussi. Parce que si vous allez sur AliExpress, vous n'allez pas en avoir autant. J'ai perdu un verre là. Et AliExpress, ils font que des ronds. J'ai jamais vu de carré sur AliExpress. Et vous allez voir, j'en ai commandé. Est-ce que j'en ai commandé? Non, pas encore. Mais je voulais commander des ronds de AliExpress. Mais c'est des tout, tout, tout petits paquets. Il y a peut-être le quart de ça. Mais elle offre plus de sélection au niveau des couleurs. Rond, carré, strass. Elle a des washi tape, elle a des accessoires. Donc, je vous invite à aller voir son site. Comme je l'ai dit, je vais mettre le lien sous la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires et ça me fera plaisir de vous répondre. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye!